On est en live. Bienvenue sur ce nouvel échange. Hello Mélanie, hello femme de lumière, soyez les bienvenus. Salut Christophe, soyez les bienvenus sur ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dimanche, notre rencontre quotidienne. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez un beau moment de repos ou bien peut-être de célébration, si c'est la fête des mères chez vous aujourd'hui, et je sais que ce n'est pas le cas partout, mais néanmoins pour les personnes concernées, je tiens déjà à toutes les mamans à vous souhaiter une merveilleuse fête parce que nous savons tout ô combien il n'est pas aisé, il n'est pas confortable d'être une maman tous les jours. Donc je pense que, tout comme les papas, votre tour viendra. Mais je pense que consacrer un vrai moment d'amour de soi, de célébration, de reconnaissance envers ce rôle rempli de responsabilités, combien c'est important. Hello! Ça fait plaisir de voir vos petits commentaires, c'est cool. En plus aujourd'hui j'ai mis la bonne couleur, c'est super parce que comme les commentaires apparaissent en blanc, c'est nickel. Donc ça va être confortable. Alors aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous la question de l'entrepreneuriat et selon moi, quelle est la principale qualité d'un entrepreneur, évidemment, qui réussit? Ah, femme de lumière, tu me dis que c'est pas la fête des mères en France, ça je sais, et donc du coup c'est un dimanche de travail pour toi. Bon, après, l'un n'empêche pas l'autre, on peut célébrer un petit peu et puis travailler un petit peu aussi. Mais en tout cas, je te souhaite un beau dimanche, quel que soit son contenu. Donc, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est selon moi, quelle est la principale qualité de l'entrepreneur, évidemment de l'entrepreneur à succès, de l'entrepreneur qui réussit, de l'entrepreneur qui parvient à mener à bien ses projets. Ça a été une nouvelle fois légèrement abordé il y a 2 jours dans l'interview que j'ai faite avec Marion Alcon. Mais j'avais envie d'apporter quelques précisions par rapport à ça. Et pour ça, je voulais d'abord vous donner mon exemple personnel actuel et puis vous donner d'autres exemples qui vont peut-être aussi vous permettre de mieux faire le parallèle avec votre propre situation. Sur le plan personnel, je dirais que depuis le mois de décembre, me concernant, je traverse de gros challenges sur le plan personnel. Salut Isa, bienvenue sur ce live. Alors, ce sont des challenges dans lesquels j'apprends progressivement à me diriger, j'apprends à grandir, j'apprends à devenir. Hello, salut ma chère Anto, je te souhaite une belle fête de mère. Je vois que tu es là et je sais que tu es concernée par ça aujourd'hui. Ce sont des challenges en réalité que je n'ai pas choisis. Ce sont des challenges qui arrivent à moi, qui sont un peu la conséquence de la vie que j'ai eue, qui sont la conséquence du parcours sur lequel je me suis engagée pendant très longtemps. Mais ça me demande aujourd'hui de faire un vrai travail sur moi. Ça me demande aujourd'hui de mettre beaucoup d'attention là-dessus. Ça me demande aujourd'hui d'apprendre à grandir, de transformer les choses, de faire évoluer mon ancien moi pour aller vers un nouveau moi qui soit beaucoup plus aligné, beaucoup plus cohérent avec ce à quoi j'aspire. Et ça dure depuis un certain nombre de mois et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Ça, c'est sur le plan personnel. Et puis certains d'entre vous pourraient dire, mais enfin Sophie, pourtant, là actuellement, on te voit en train de te lancer dans des tas de projets, tu vas ouvrir ton école de coaching, tu vas organiser la journée de l'audace, tu es embarquée dans la Z avec Martin Latulipe, évidemment, sur des projets qui sont énormes et qui me prennent aussi, évidemment, beaucoup de temps, qui me demandent beaucoup d'énergie, qui me demandent de faire appel à beaucoup de mes ressources. Hey, coucou ma chère Brigitte, je t'embrasse bien fort, j'espère que tu vas bien. Et où je veux en venir avec ça, c'est que selon moi, la principale qualité de l'entrepreneur, et je suis pas en train de vous dire ça pour me jeter des fleurs, ok? Je suis en train de vous dire ça pour vraiment vous faire part de ma réalité et que vous puissiez voir comment vous pouvez faire un parallèle dans votre histoire. Selon moi, la principale qualité, c'est d'être capable de se mettre en action dans le plus grand inconfort. C'est d'être capable d'aller puiser toujours plus dans ses ressources, même si le contexte dans lequel on se trouve amènerait une grande partie des personnes à se dire, non, je vais attendre que ça aille mieux, je vais attendre que les choses soient plus confortables. Salut Philippe, salut ma chère Noémie, je te fais plein de bisous. Coucou Nathalie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ah, t'es en plein milieu des bois. Eh bien, je t'envoie plein de pensées, profite bien. Donc, selon moi, ce qui fait vraiment la différence chez ces entrepreneurs-là, c'est que même si le contexte autour, que ce soit le contexte familial, émotionnel, économique, financier, peu importe,
que quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, aussi inconfortable soit-il, ce sont des personnes qui ne vont pas rester figées face à l'inconfort, qui ne vont pas avoir besoin de consacrer toutes leurs ressources uniquement à gérer les difficultés et attendre que le terrain soit favorable, que c'est comme si on se retrouvait dans une espèce de boîte en coton, en ouate, je sais pas si vous dites de l'ouate, vous, qui enfin leur apporterait suffisamment de bien-être pour qu'ils puissent enfin se mettre en action. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais tu comprends, Sophie, pour l'instant, pour moi, c'est difficile. » Mais la réalité, c'est que dans l'entrepreneuriat, le pour l'instant, pour moi, c'est difficile, c'est presque le quotidien. Alors, on connaît évidemment des périodes qui sont beaucoup plus prospères, où on a l'impression que tout conspire à nous aider, à nous porter dans nos projets, mais la plupart du temps, c'est loin d'être comme ça que ça se passe. Alors, l'autre exemple que j'avais envie de vous donner, c'est regarder dans cette période de Covid qu'on a connue. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont baissé les bras, qui ont jeté l'éponge, qui se sont positionnés en victimes, qui ont considéré qu'il fallait absolument que les gouvernements prennent des décisions pour pouvoir les aider, pour pouvoir les sortir de là. Et puis, il y en a d'autres qui ont pris le taureau par les cornes, qui ont pris des décisions, qui ont avancé avec la difficulté. Ils n'ont pas attendu qu'on sorte de là, ils n'ont pas attendu que le contexte redevienne favorable, mais ils ont pris des décisions qui avaient pour objectif de chercher comment, malgré cette situation qui était certes dramatique, je ne suis pas en train de minimiser ce qui a été vécu, mais ce qui a vraiment fait la différence, et ça s'est tellement vu dans cette période, il y a eu un clivage entre ceux qui sont davantage tombés dans le reproche, dans la plainte, dans la victimisation, dans la haine même pour certains. Et puis il y a les autres qui se sont dit « Bon, j'ai pas d'énergie à consacrer sur les mauvaises décisions qui sont prises, je vais aller mettre toutes mes ressources, celles qui me restent, toute mon énergie, même si là j'ai peur parce que pour certains il y a des loyers qui pouvaient plus être payés, pour d'autres il y a du personnel qu'on devait continuer malgré tout de payer alors qu'il ne pouvait plus être présent, il n'y avait plus de rentrée. » Donc il y a eu énormément de conséquences concrètes dans cette situation. Et ce qui a permis vraiment à certains de s'en sortir et pour certains même de donner finalement, de profiter de cette situation pour donner une accélération à leur business, ça a été simplement de se dire « Ok, là c'est vraiment pas cool, je sais pas combien de temps ça va durer, mais malgré tout, je vais me mettre en action, je vais décider de faire quelque chose, je vais faire des choix, je vais tester des choses et je sais pas si ça va marcher. Mais je vais quand même le tester. » Parce que si ce n'est pas l'entrepreneur lui-même qui prend ses décisions, il n'y a personne qui va le faire à sa place. Et c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. C'est de pouvoir véritablement être capable, dans ces grandes périodes d'inconfort, d'aller chercher des solutions. De, évidemment, faire face à l'inconfort d'un côté, ça ne veut pas dire qu'on fait l'autruche, qu'on est dans le déni. Mais c'est surtout cette capacité à la fois être bien conscient de ce qui se passe, mettre une vraie conscience là-dessus et en même temps ouvrir aussi davantage sa conscience sur toutes les possibilités qu'il existe encore et vers lesquelles on se serait peut-être pas tourné si tout était resté confortable. Et c'est ça pour moi la magie du potentiel humain, c'est qu'on est tellement plus riche en ressources que ce qu'on est capable de sentir. Si vous avez déjà vécu des moments de grand stress dans votre vie, soit parce qu'une personne que vous aimez profondément était en danger dans une situation. Moi, je me souviendrai toujours d'une anecdote quand je la raconte. Mes enfants sont toujours morts de rire. On était partis faire une balade avec mes enfants. Donc, à l'époque, j'avais un compagnon. On était partis avec mes enfants. Mon fils devait avoir, je pense, 5 ou 6 ans. Je ne sais plus très bien, par là, en tout cas. Mon fils était un peu une tête brûlée. Et on était parti en vélo et on faisait le tour d'un grand lac. Mais c'était très, 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 très grand. On voyait pas à l'autre bout du lac. Et on était en vélo. Et puis, mon fils était parti devant, donc il roulait très vite. Ça, il a toujours été un petit sportif. Et donc, il part devant. Et puis, ma fille fait tomber quelque chose de son vélo. Je sais plus très bien quoi. Donc, on s'arrête pour qu'elle ramasse ce qu'elle avait fait tomber. Et puis, on redémarre. Et mon fils avait continué devant. Et puis là, je reprends la route et arrivé au prochain virage, je ne vois pas mon fils dans la ligne de mire. Vous voyez un peu le principe, donc ça tourne et puis on a à nouveau des lignes droites, ça tourne, on a des lignes droites. Donc juste avant le tournant, c'était logique que je ne le vois plus. Mais par contre, à chaque fois que j'arrivais de nouveau dans une ligne droite, je ne le voyais pas au loin non plus. Et là, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ça a duré
évidemment pour moi une éternité, parce que la maman louve que je suis a vraiment commencé à se dire, mais c'est pas possible qu'il ait pu aller aussi vite et qu'il soit sorti de mon champ de vision sur un délai aussi court. Et donc j'ai vraiment commencé à paniquer. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à ce moment-là, je me suis retournée vers mon compagnon qui était derrière et ma fille était derrière moi aussi. Je lui ai dit « Occupe-toi !» Donc ma fille s'appelle Janelle. Je lui ai dit « Occupe-toi de Janelle !» Et moi, j'ai commencé à pousser sur mes pédales, mais avec une force que je n'avais jamais pu ressentir à l'intérieur de moi. Et là, j'ai commencé à tracer. Et donc, mon compagnon et ma fille qui étaient derrière ont été incapables de me retrouver, de me rejoindre. Moi, j'ai tracé jusqu'à ce que je parvienne enfin à retrouver mon fils. Et là, quand on est dans des situations comme ça d'urgence, c'est là qu'on a accès, et je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé aussi, d'accéder à un moment à une force incroyable que vous ne soupçonniez pas en vous, simplement parce que le contexte vous a amené à aller puiser dans cette ressource-là. Eh bien, pour moi, la force de l'entrepreneur, c'est ça. C'est même si c'est inconfortable, c'est d'être malgré tout capable d'aller puiser dans des ressources qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont là. Elles sont là, ces ressources-là. Et plus on va se remettre dans cet état de « là, il y a quelque chose à faire. Là, je décide que je prends les choses en main. » Plus on se met dans cette énergie-là et plus on est à même d'aller puiser dans les ressources. Et plus je me mets dans le fait d'aller mettre le focus sur l'extérieur, sur ce que les autres n'ont pas bien fait, sur ce que les autres devraient faire pour que ma situation s'améliore, pour qu'enfin je puisse être dans ce bon état pour pouvoir avancer dans mes projets. Plus je mets le focus et plus je mets mon énergie à cet endroit-là, et plus je m'appauvris moi-même, et moins je suis à même de pouvoir trouver des solutions dans ma situation. Donc voilà pourquoi, selon moi, la principale qualité d'un entrepreneur, c'est la capacité à se mettre en action dans la difficulté et dans l'inconfort. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de messages. Je vais aller voir ce que vous me partagez là. Nathalie, presque plus de batterie. Tu suivras en replay. Je t'embrasse bien fort, ma chère Nathalie, pour quand tu verras le replay. Guillaume Dulude dit que le syndrome de l'imposteur n'existe pas. Le manque de mise en action en est la raison. Cela a amené à ma conscience l'enfumage dans lequel je m'enfermais. Tellement d'accord avec ça. Merci pour ces mots hyper justes. Yoga Academy, merci beaucoup pour ton retour. On apprend toujours quelque chose lors d'une sortie de zone de confort. Oui, on apprend toujours et ça muscle. Selon moi, le fait de me challenger et de me mettre dans l'action dans cette période dans laquelle je voudrais tellement me replier sur moi, me dire « Oh, ma petite Sophie, là, il est temps que tu prennes soin de toi. Là, il est temps que tu t'écoutes. Il faut vraiment que tu fasses grandir cette situation. Il faut vraiment que tu sors de là et ensuite, ce sera tellement plus facile. » Mais pour moi, le fait de me dire « Non, je vais continuer de me challenger sur le plan professionnel, même si sur le plan personnel aujourd'hui, je suis déjà challengée malgré moi, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, j'ai pas envie de passer ma vie et de mettre toute mon attention, tout mon focus sur un aspect de ma vie, parce que ma vie, je veux qu'elle soit plus riche que ça, je veux pas qu'elle se résume à un des domaines de ma vie. » C'est à la fois je suis une femme, à la fois je suis une maman, à la fois je suis une entrepreneur, à la fois je suis une amie, et je suis tout ça. Et il m'appartient de consacrer dans ma vie des espaces pour chacun de ces pôles. Et donc ça, c'est ma décision. Et je ne veux pas que ce soit lié aux circonstances extérieures. C'est tellement destructeur à long terme de se laisser simplement mener par le bout du nez par les circonstances extérieures. Salut Alexandra. Philippe, tu dis les opportunités sont souvent présentes dans les difficultés. C'est ce qui nous permet d'être dans la puissance de nous-mêmes. Oui, tout à fait. Et même s'il n'y a pas d'opportunité, c'est le fait de se mettre en action qui finit par créer ces opportunités. Si on reste dans son coin, si on se regarde le nombril, si on passe son temps à simplement attendre que tout aille beaucoup mieux, les opportunités ne vont pas se pointer dans ces conditions-là. Parce qu'on n'est pas du tout en train d'envoyer des messages énergétiques disant « Je veux que ça bouge !» Et je ne resterai pas là à subir ce qui m'arrive. Je décide que ça bouge. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore une bonne fête aux mamans qui sont concernées par la fête des mères aujourd'hui. Et je réitérerai mon message pour les mamans qui sont en France quand ce sera votre tour. Je vous souhaite d'être à la fois cette personne qui est tout à fait à l'écoute de ses besoins personnels, de ses besoins de l'instant, et en même temps, cette personne qui soit à l'écoute de ses ambitions, de ses projets. Et je vous invite vraiment à trouver votre équilibre à vous sur ces différents pôles. Merci à toutes et tous pour votre
Écoute vos partages, vos commentaires. C'est tellement riche pour moi de pouvoir échanger avec vous sur tous ces sujets. Je vous dis à demain pour le prochain live. Et puis d'ici là, kiffez la vie, prenez soin de vous et puis envoyez de l'amour aux autres aussi. C'est tellement bon. À demain.